quelle que soit la situation politique aujourd'hui, avec des gens qui ne connaissent pas la politique, je ne pense pas qu'ils ne peuvent pas marcher. Ces gens-là sont venus pour installer certains régimes autoritaires, certaines idées qui ne peuvent pas l'appliquer dans une société multiple, qui est une société ouverte à tout le monde. Dans ce cas, aujourd'hui, Daesh, il faut couper leurs sources, il faut couper tout leur soutien. En même temps aussi, Daesh, il faut qu'on traite avec elle comme on a traité au début de la crise, par le moyen de force et en même temps aussi par le moyen d'explication à leurs membres qui leurs idées, ils viennent d'un principe qui n'existe pas ni dans l'islam ni dans notre chose, sauf l'intégrisme et sauf uniquement pour montrer que les autres n'existent pas si ce n'est pas comme lui. Non, il y aura de multiples, il y aura des sociétés ouvertes, larges. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution. Il faut ne pas penser que par une solution politique qui peut cohabiter avec ce groupe, avec cet événement-là. Comme dans le régime syrien, c'était à mon avis de deux visages. Le premier, le régime syrien, le deuxième, c'est Daesh. Dans ce cas, pour moi, il faut combattre les deux jusqu'à arriver en Syrie, qu'il contienne tout le monde, qu'il y a la liberté, qu'il y a la démocratie, qu'il y a la tolérance, qu'il y a l'acceptation des autres, avec leurs valeurs, leurs principes.